Les amis, comment nous sommes? J'espère que nous sommes en forme. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous pour que nous puissions parler d'informations sportives sur le plan international. Je veux dire, nous venons parler des informations directement sur les affaires marché transfert. Il y a un pile bruit qui a couru là, un pile dossier. Nous prenons le barreau, un paquet de dossiers qui a passé dans le football là. Il y a un Real de Madrid là qui est entré dans un litige. Real Madrid avec le président fédération. Nous avons président Liga, qui c'est Aviel Tebas, qui c'est président et comité Liga qui a dirigé Liga. Côté que tu as gagné un gros litige avec le président Silla. Et côté nous allons parler de ça, gagné l'autre marché transfert autour. Guillaume passant sans parole qui fait gros déclaration sur l'avenir de Messi dans Paris Saint-Germain et dans Liga. Non, et Ligue 1, nous allons parler de tout ça et puis officialisation du transfert de Raphaël Varane qui dans Manchester United. Et puis Paris Saint-Germain cap aujourd'hui, l'absence de plusieurs cadres dans l'équipe là, nous allons parler de ça dans quelques poussières de minutes. Prends un petit temps pour me remercier chaque ami qui est toujours restez connectés sur channel là, qui toujours passé sur channel là, et ben nous, love là, et qui pas jamais suspend. Invitez un autre ami pour être capable de venir sur channel ça, parce que rêve pas nous, c'est pour des informations en bas ou quel que soit à côté de nos jeunes, information qui est intéressante, qui ou même ou à remet. Eh bien, merci de ou toujours continuer à faire ça. Nous parlons directement d'informations qui sont vraiment importantes pour nous parler aujourd'hui. Gagné Paris Saint-Germain, nous connaissons qui fait un grand achat. Il y a un achat qui a fait bruit dans le moment. Il y a un achat Lionel Messi qui sortit dans l'équipe Barcelone, qui a joué directement pour Paris Saint-Germain, qui a un contrat après. Il y a toujours une question de 35 millions. Euro par an, côté que Barcelone bat bien possibilité pour lui payer comme ça, c'était une raison qui t'a fait que monsieur en lui-même, lui a quitté l'équipe, n'a pas gagné fonds pour payer, il était obligé de quitter l'équipe là. Eh bien, près de 20 ans, 21 ans d'histoire d'amour qui finit entre Barcelone et Lionel Messi, bon, pas dit qu'il part terminer net autour en un long carrière, parce que après 2 ans ou 3 ans, 6 ans, quelques, ça y est, est-ce qu'il était capable de tourner l'équipe là? Même pas vine parler de ça, me vine parler de plusieurs, en pile, grand observateur, en pile, entraîneur, joueur, apprécié la venue de Messi dans Ligue 1 et non ça fait directement une belle option côté que pas gain plus yeux cap fixé sur championnat mais si tout le monde qui t'a remis ça qui remet ça qu'a fait là gain quelques entraîneurs gain quelques barres tout qui pas accepté qui pas remis et gens en deux activités qui ça qui j'aime des gens qui pas remis activités comme ça gagné et Jorge Sampaoli qui c'est entraîneur équipe l'OM là Messi lui-même lui pas ouais ça de bon œil comment pas ouais de ça bon œil et imaginez et comment il fait le parole de bon œil parce que équipe Paris Saint-Germain a assez de moyens pour acheter des joueurs qu'il veut et bien dit comme ça que faut que Paris Saint-Germain tout faut que tout club tout coup club qui gagne renom, club qui ancien, club qui gagne plus histoire dans le championnat, tu as gagné même budget pour acheter même joueur, même gens que Paris Saint-Germain a fait là. Ça veut dire que c'est un bagage pour lui-même qui paraît un peu terrible comme ça veut dire que il y a une équipe qui a acheté un paquet de gros joueurs ou même un paquet acheté ça n'est pas aussi belle que ça dans ce sens ça jamais c'est parlé hein ça veut dire Paris Saint-Germain qui quoi pour acheter quel que soit un joueur que lui hein ça veut dire pas bon équilibre dans le championnat ça veut dire catégoriquement Jean-Louis dit là et le regarder que Paris Saint-Germain qui va jouer avec un par exemple qui va jouer avec Angers qui va jouer avec Angers qui ça peut gagner qui va jouer avec Strasbourg là et c'est presque qu'à dire une catastrophe Strasbourg pas gagner qu'un joueur de grand calibre ça veut dire que li pa fini yon bel bagay pou ou même qui pa gen assez de moyens pour y acheter des grands joueurs ok gagner des annonces là qui a parlé là Cristiano Ronaldo lui-même qui a une possibilité
pour lui capable quitter l'équipe là pour aller dans Paris Saint-Germain. Cette façon que Cristiano Ronaldo est dans Paris Saint-Germain, gagner en cas où Mbappé lui-même lui est allé, lui capable venir dans Paris Saint-Germain. Ça c'est prévision qu'a fait Cristiano Ronaldo doit vouloir se tuer de ne pas être là. La qualité de la quantité de joueurs que le PSG possède actuellement sont uniques. Cela n'arrive pas souvent dans les clubs et dans les plus grands joueurs veulent toujours être avec les meilleurs. Cristiano Ronaldo veut sûrement être ici, mais sinon pas à amener Messi. Et heureusement, il est bien meilleur, a confié le lieu du Paris Saint-Germain en parlant de Di Maria, qui pensait que il n'y a pas tapé un problème pour M. Vini, mais quand même, il y a un paquet de joueurs là pour pas gagner Paris, pour pas gagner monsieur, en parlant de Cristiano Ronaldo. Toujours, ça fait marché transfert, gagner possibilité là, marché transfert, gagner possibilité, j'aime de là, et pas possibilité, gagner, il va falloir quitter transfert dans l'équipe Manchester United là, et bien, c'est jeudi à officialiser et transfert directement, monsieur, c'est joueur équipe, qui c'est joueur équipe Manchester United. Il y a une information qui a fait bruit dans le monde sportif là, il y a une information qui fait bruit, qui a fait lobby actuellement, qui est information qui est c'est Real de Madrid qui a des possibilités pour la jouer dans la Première Ligue. Pour qui ça dans la Première Ligue, gagner El Mundo Deportivo qui sont un journal espagnol, soit un journal pour Madrilène, qui a fait connaître que des possibilités pour Real de Madrid de quitter le championnat. Pour quelle raison? Parce que Javier Tebas, lui-même, qui a menacé Real de Madrid, qui est prêt pour Real de Madrid, qui est prêt pour les Liga, dans la justice pour affaire du fonds qui va investir dans la compétition. Ça, parce qu'il y a près de 42 clubs qui ont pu faire une assemblée générale pour connaître est-ce qu'ils sont même capables d'investir, fonds d'investissement, ça capable d'entrer dans la Liga. Real de Madrid, formellement, qui compte et fonds d'investissement, ça, dans le championnat. Et bien là, Monsieur Javier Tebas lui-même qui a attaqué Real de Madrid, et bien Real de Madrid qui t'a dit consacré d'après le journal là, El Mundo Deportivo, que Real de Madrid envisageait pour t'a quitter Liga pour aller dans Première Ligue là, t'as cherché des processus. Quelques minutes plus tard, le journal lui-même a publié un grand titre dans le journal là, en parlant de El Mundo Deportivo. Eh bien, Real de Madrid qui démentit information qui fait connaître que y a pas aucune intention pour quitter Liga malgré que gagne en pile rumeur en pile menace pour quitter pour ta en pile menace là sous champion sous équipe là, mais y a pas aucune intention pour quitter Liga. Eh bien, c'est ça, nous avons terminé pour nous avoir fait information sur le plan international. On a dû être connecté à la chaîne parce que le championnat d'Europe a commencé aujourd'hui, le championnat d'Espagne, le championnat d'Italie, le championnat d'Angleterre qui a déjà commencé la game. Manchester United qui a mené 1 à 0, le match qui est en jeu, qui a joué matin. Là, même Jean-Tou Brangford, et Brangford qui fait monter en première division, ça a gagné près de 72 à 73 ans depuis qu'il n'a pas monté, il n'a pas joué en première ligue. Eh bien, hier, ils font belle victoire sur l'équipe Arsenal en question. De 2-0, il fait premier victoire dans un championnat et contre qui est sur elle, c'est contre Arsenal. Nabdou, merci du fait que toujours été connecté à Chanel. Nabdou, été connecté, n'apporter plus d'informations pour vous pendant un journée.